Alors la première fois que je suis arrivée à Loukar, je savais qu'il y avait eu l'expression d'une demande éducative de la part des adultes de ce village. J'ai trouvé que le lieu était bien choisi, puisque sur cette presqu'île, il n'y avait pas d'école à ce moment-là. Nous avons tout de suite essayé de rassembler des personnes autour de ce projet-là pour créer une association. Et donc, avec quelques énergies humaines, même peu nombreuses au départ, on pouvait démarrer quelque chose. Voilà. Et ça, c'était en 2006. Alors actuellement, nous sommes à peu près une cinquantaine de personnes adhérentes à cette association. C'est un projet un peu original aussi, parce que c'est une école oasis avec des projets d'autonomie.